Pachimpika, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, sympathique sur toutes mes potions Fortnite. Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai vu que vous étiez un peu déçus qu'il n'y avait plus à avoir de fabrication de potions ou quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce que vous voulez que je fabrique d'autres trucs dans Fortnite? Que ça soit des trousses médicales, des bandages ou quoi. Dites-moi tout ça dans les commentaires si jamais vous voulez que je fabrique d'autres trucs qui ont un rapport avec Fortnite. Et j'essaierai de voir ce que je peux faire. Et si jamais vous jouez toujours à Fortnite, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir des familles, ça me ferait extrêmement plaisir, et de me dire aussi en commentaire quel est votre skin préféré sur Fortnite. Voilà, petite question, quel est votre skin préféré? Est-ce que c'est le chevalier? Est-ce que c'est l'astronaute? Voilà, j'attends tout ça en commentaire. En tout cas, regardez, venez voir, venez, venez. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes mes potions Fortnite. C'est parti. Voilà les potes, toutes mes petites potions Fortnite, elles y sont tous, de la petite à la plus grande. On va faire un petit récapitulatif, on va faire un petit récapitulatif de toutes les potions si jamais vous n'en avez pas vu, si vous avez loupé cette vidéo là ou cette vidéo là. Donc let's go, c'est parti. Mon avant-dernière fabrication qu'on a fait ensemble en vidéo, c'est bien sûr les petites potions Fortnite. Alors celle-ci, rappelez-vous, elle était très facile à fabriquer. J'ai juste acheté une petite fiole sur Amazon. J'en ai eu 10 à moins de 5 euros. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du sirop, ou sinon du liquide vaisselle, ou sinon de l'eau avec de la peinture. Alors celle-ci, je trouvais qu'elle était vraiment ressemblante, parce qu'avec le bouchon en liège et tout, c'était parfait. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer ici et aller la voir. Les potes, la toute première potion que j'ai fabriquée sur ma chaîne et qui vous a extrêmement plu, plus de, je crois, 700 000 vues, franchement c'était un truc de ouf, je vous remercie encore. C'était grâce à celle-ci, fabriquer une potion Fortnite avec un bocal de cornichon et de l'eau plus de la peinture. Alors celle-ci, c'était vraiment la plus simple à faire, parce que le bocal de cornichon, j'en avais un chez moi, j'avais de l'eau, ce qui est normal, et de la peinture. Alors vraiment, ça m'a coûté mais vraiment rien du tout. Et ça change un peu d'habitude, parce que d'habitude je suis là en train de payer des choses pour mes vidéos et tout. Là c'était gratuit, donc c'était cool. Et donc comme je vous ai dit, c'est très très simple. Un bocal de cornichon, on appelle le bouchon en bleu grâce à une peinture que j'avais chez moi, de l'eau, de la peinture, et hop, c'était fait. Celle-ci, elle était très très bien, elle vous a bien plu. Ensuite les potes, la dernière trouvaille, enfin la dernière fabrication qu'on a faite ensemble, c'était celle-ci. Voilà, la potion 50 de Shield. Celle-ci aussi, elle vous avait beaucoup plu. Ce qu'on avait fait, c'est que j'avais acheté ce petit bocal à Auchan. Malheureusement, ils en vendaient pas qu'un, ils en vendaient 12. Donc c'était pas l'unité, si vous voulez acheter, il fallait en acheter 12. Et c'était 13 euros les 12 pots. Donc maintenant j'ai 13 pots comme ça qui me servent à rien chez moi. Bref, et à l'intérieur, ce qu'on avait mis, on avait mis de la Powerade. C'était vous qui me l'avez dit dans les commentaires et je trouvais l'idée cool, donc je vous ai écouté et franchement ça rendait super bien. Donc voilà, la popo 50%. Et les potes, celle-là qui m'a été la plus compliquée à faire, la plus longue, où j'ai dû réfléchir des heures et des heures, c'est bien sûr la grosse popo de Fortnite. Celle-ci les amis, elle m'a été mais vraiment compliquée à faire. C'était vraiment compliqué à la faire. Je vous en parle même pas. Il y a même une petite anecdote sur cette potion là. À la base, elle était censée se remplir. Je devais mettre du plexiglas à l'intérieur et pouvoir la remplir. Sauf que une fois que j'ai commencé ma vidéo, tout ça, j'ai voulu mettre mon plexiglas
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben le plexiglas s'est cassé. Et en fait j'ai complètement compris que je ne pouvais pas mettre de plexiglas. Alors là la vidéo était déjà tournée. Je me suis dit putain comment je vais faire? Comment je vais faire ben, pour rendre bien, pour pas que les abonnés ils me disent ouais c'est pourri ou tout. Que j'ai fait, je me suis vraiment pas pris la tête. Et je pense que c'était la meilleure façon de faire cette potion là. Parce que vous avez bien kiffé d'ailleurs, vous avez très très bien kiffé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé une feuille que j'ai placée à l'intérieur. Et quand on met une lumière à l'intérieur, ça rend juste parfaitement bien. Alors celle-ci pour la fabriquer, j'ai utilisé un bidon de bière, un baril de bière, c'est, vous prenez ça comme vous voulez. Je l'ai découpé pour qu'elle ait la forme de Fortnite. J'ai peint le couvercle à l'intérieur au-dessus bleu, tout en laissant la partie grise comme sur la vraie popo. Et à l'intérieur, ben, c'est vide, il n'y a qu'une feuille. En soi, elle est très simple à expliquer comme ça, mais à fabriquer, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Mais je suis vraiment content parce qu'elle est vraiment super belle. Dites-moi vous dans les commentaires quelle potion vous aimez le plus. Si vous aimez les petites potions, si vous aimez la potion moyenne, si vous aimez la potion qui donne 50% de shield, ou si vous aimez la gourde du bras. Je suis très curieux de savoir quelle potion vous préférez entre les 4. Et n'oubliez pas aussi de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fabrique pour la prochaine vidéo. Comme ça, mardi prochain, j'essaye de vous fabriquer ça. Notez-le sur votre petit agenda. C'était une vidéo très rapide, mais pour finaliser cette série de potions, je voulais toutes vous les présenter d'un coup. Ça vous rafraîchit la mémoire. N'hésitez pas à y voir ma dernière vidéo qui se trouve juste ici, où on a ouvert un colis qui était plus grand que moi, 1m80 et 12 kg. Franchement, c'était super cool. Il y a eu un super cadeau. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Peace.